Pourquoi tu es triste? Je t'aime fort. Donc. Je suis amoureux d'une fille, mais je ne pense pas qu'elle plairait au père. Qui est-ce? Tu ne peux pas me comprendre. Tu n'es pas amoureuse. Qui est donc cette fille? Elle s'appelle Marianne. Elle est d'une famille pauvre. Elle passe son temps à s'occuper de sa mère qui est malade. Si ton père pourrait l'aider, il a tellement changé depuis la mort de notre mère. Fais gaffe, il arrive. Je ne l'aime pas. Où se cache-t-il? Où courir? N'est pas à courir. Mon esprit est troublé. Mon argent, ma joie. J'ai bien fait de cacher 10 000 balles en ordant mon jardin. Maître Jacques? Oui, je suis votre cocher et votre cuisinier. Vous me demandez à tant que quoi? Les deux. Vous voulez vous commencer par quelle fonction? La cuisine. Très bien, je me change alors. Et voilà, je suis prêt pour vous servir ce soir. J'espère que ça sera bon. Si on a de l'argent, on peut faire de la bonne viande. S'il y a à manger pour 8, il y en aura pour 10. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Bien dit, génial! Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Il faudra nettoyer la carrosse. Attendez, je me change alors. Voilà le cocher là. Il faut bien s'occuper des chevaux. Il faut leur donner à manger. Je dois vous parler, monsieur. Attendez, il faut que j'aille. Que faites-vous là, Frosine? Je fais mes affaires. Monsieur Apregon, vous avez un bouton. Vous trouvez? Vous êtes encore jeune. J'ai 400 ans. Les fleurs de l'âge. Vous allez vivre l'éternité. Ça me semble évident. Oh, je vois dans vos yeux le signe d'une longue vie. Je peux avoir votre main? Oui, oui. Quelle ligne de vie? Marianne adore le vieillard et déteste le jeune. Mon père, n'accusez personne de vol. J'ai ton argent. Je te le rends si tu me laisses épouser Marianne. Je dois choisir Marianne ou la cassette? La cassette. Tout est bien qui finit bien.